Les fossés où tu te feras avoir le plus souvent, c'est les tout petits fossés avec un filet d'eau. Ou alors les toutes petites tranchées. Mais ça, c'est normal, c'est fait pour. Et méfie-toi des wadis, bien sûr. Les wadis, c'est des cours d'eau qui s'assèchent en été, je crois, enfin, quand il fait chaud. Mais c'est un ancien cours d'eau. Si tu vois un long fossé qui traverse toute la map, c'est ce truc-là. Victoire? Ah, bien joué. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un mortier de 50. Oula, ils font les... Ah, tu me dis... Ouais, Louvre va faire... Ok, c'est normal. Se méfier parce que toi du coup t'es là donc ton canon est probablement ici, on va dire qu'il est ici, bon il doit pas être là normalement mais ouais on a pas tellement de marge de manœuvre d'ici que l'artillerie tombe. Reddition suite à la charge blindée. Victoire, bien joué. Encore 5 morts chez moi et j'ai perdu un blindé. Je sais pas comment immobiliser ça m'était. Tu le récupéreras peut-être sur la suite. Et j'ai faim. Quel genre d'opération serait plus intéressant sur un avec un humain? Oh, c'est pas mal ça! Restait 2 BMP à l'ennemi quand même. T'as trop touché leur morale. Il y a un autre truc là. Un ATGM très mal placé qui regarde dans la mauvaise direction. Un ATGM très bien placé ailleurs. Alors.
Allez, tombe sur le canon. Je vais pouvoir traverser avec mon infanterie. Et deux équipes mortes. Allez, dis-moi que tu vas tomber correctement. Pitié. C'était quoi ça? Sûrement lui qui a tiré. Être un enfer, les bidonvilles. Envoie-moi la map. Je suis pas sûr de l'avoir fait celle-là. Pas que. Je l'ai peut-être fait et je suis justement passé en dehors du bidonville. C'est peut-être bien ça, ouais. Je puisse les sauvegarder, désolé. Pourtant, la moitié des objectifs sont dedans. Ouais, mais t'en fiches les objectifs si t'arrives à faire un impact suffisant sur le moral ennemi et que tu neutralises la plupart de leurs moyens offensifs. Vise trop, bordel.
Ça, c'était bien. Ça, c'était très très bien. Pardon. Donc tu penses l'avoir fait? Je crois, mais je peux pas te l'affirmer. Écoutez là les gars. C'est que j'ai été chanceux. Allez, bordel, il faut que ce 88 tombe. C'est tombé presque pile dessus, on va considérer que c'est bon. Début en juillet 22 pour deux missions, 4 en octobre 22, une en mars 23, juillet pour le reste sauf la 16e. Ok.
Ça passe, c'est d'enfer. Ça marche, merci beaucoup. Très bien ça. On a touché l'objectif. Et si on n'est pas trop manchot, on arrivera à éliminer cette équipe au tour suivant. C'est cool qu'une fois une mission finie, tu puisses la rejouer dans un état idéal. Tu peux faire ça, mais en modifiant les fichiers du jeu. Ouais, faut que tu vas dans ta campagne, t'extrais les missions. Et tu bidouilles quoi. Changer l'extension, peut-être. Une idée. Faut demander sur les forums. Ah merde, j'ai oublié d'annuler les tirs. Tireur d'élite? Non, juste un mec enthousiaste. Ok, alors. C'est-à-dire que je me suis pas foiré sur mes calculs.
Il reste une arme anti-aérienne. On a du bol, c'est pas la plus vénère, mais bon, c'est un problème pas. Je crois que c'est un quad 20 mm. Ouais, c'est ça. Vache. Tu me diras, c'est normal qu'il soit défendu, c'est Bera en fait. On a subi des dégâts sur les sous-systèmes, l'optique et la radio, le reste est nickel. Plus de peur que nous. Sauf bien sûr pour l'infanterie qui traverse juste derrière. Oh, il a réussi à... Il a le l'IS-2 en visu. Ça, c'est problématique. Je vais prendre 10 minutes de pause. J'ai oublié de faire de la faire. Et puis on va en faire une dernière heure avant d'aller se coucher. Tiens, il y a un souci de lumière. J'ai peut-être un souci de lumière, moi, oui. Ok. Hop. 10 minutes et puis on revient. Je vais aller me coucher, merci pour la live. Mais je t'en prie, repose-toi bien. Bonne nuit et profite bien de ton dimanche. Tout de suite.